nothing like the aroma of fresh baked bread. And with your Black & Decker all-in-one horizontal bread maker, you can have the old-fashioned goodness of homemade bread with today's electronic convenience. Because your horizontal bread maker does the work automatically. Even if you've never made homemade bread before, you'll rise to the occasion as the mixing, kneading, and baking is all done for you. It's very simple, and it's all detailed in the handy instruction manual and recipe book. Start by taking the baking pan out of the bread maker. Just pull straight up and out. You'll want to add the ingredients to the pan when it's outside the unit to avoid spilling anything into the oven chamber. Insert the mixing paddle by lining up the flat side of the paddle with the flat side of the shaft in the baking pan. Like this. We're ready to start. I'm going to show you how to make a large loaf of white bread. It's a basic, popular bread, and the recipe is included in the cookbook section of your manual. Your bread maker can make large loaves, ranging in size from 1.5 to 2 pounds. Flour differs from one country to the next. Because there's more flour than any other ingredient in your bread, you'll want to be sure to use the right kind. In Canada, you may use all-purpose flour or bread flour, but in the US, you must use only bread flour. There's a reminder about flour types on every page of the recipe section. Using the right ingredients, measuring them accurately, and adding them to the pan in the order listed is essential to making a successful bread in an automatic bread maker. For my large white bread, I'll use 1 1/3 cups of lukewarm water. Temperature is important. If the water is too cold, it won't activate the yeast. If it's too hot, it'll kill the yeast. Use a clear liquid measuring cup to measure water or fresh milk so you can check the measure at eye level. Too much or too little liquid will affect your bread. That's a bit too much. Perfect. Now I'll add the other ingredients using standard measuring spoons. I'll start with 2 tablespoons of powdered milk. Level off each ingredient with the straight edge of a knife. Next, 2 tablespoons of butter, or if you prefer, margarine. And finally, 1 tablespoon of sugar and 1.5 teaspoons of salt, which I've also leveled off. Measure 3 3/4 cups flour, and make sure you use the appropriate size dry measuring cup for each measure. Then scoop the flour into the cup and level it off. We've developed all our recipes using national brands of flour. In Canada, we found that most all-purpose brands of flour work well in your unit. But in the US, you must use bread flour. American all-purpose flour won't give you good results. Also, never use fast-rising pastry or cake flour in recipes in either country. Always add yeast last, and be sure it doesn't touch liquid ingredients, especially if you're using the delayed cycle. The liquid could activate the yeast too soon. We tested our recipes using active dry yeast, but you may use bread machine yeast with good results. Be sure to store yeast according to the manufacturer's instructions once it's opened. Also, always check the expiry date. And now, let's have the all-in-one horizontal bread maker do the rest of the work for us. Insert the baking pan into the oven chamber, and press down. When you plug in your bread maker, you'll see these 2 arrows in the display window, automatically set for basic bread and a regular crust. You'll also see 12 a.m. flashing on the digital clock. You don't have to set the clock if you want to bake your bread right away. Just select the appropriate setting and push the Start Reset button. On the control panel, you'll see 4 bread settings, a dough, a bake, and a crust selection setting for regular or dark crust. If you have the deluxe model, there are additional settings for French, cake, jam, and desserts. Check your use and care manual for instructions and recipes for these settings. The basic setting is for breads with white flour as the main ingredient. Press Menu to move the arrow to other selections. The rapid bake setting will produce bread in just under 2 hours. Great when you want to have bread ready in time for last minute dinner guests. Check your recipe book to see which recipes work on the rapid bake cycle. The sweet setting is for breads with large amounts of sugar or other ingredients sensitive to higher temperatures like cheese or chocolate. All the settings except rapid have an add ingredient signal that sounds like this and tells you when to add ingredients like nuts or raisins. You can add these mix-ins before adding yeast when you first prepare your bread, but sometimes they get chopped up by the paddle. If you wait for the add ingredient signal to put in raisins or nuts, the mix-ins will more likely stay whole.
Grain is for recipes with larger quantities of whole wheat or rye flour, oats, or bran. It's the longest program because the heavy, dense flours need more rising time than white flour. The dough setting lets you make dough that you'll then shape and bake in a traditional oven. You can make pizza crust, French bread, rolls, focaccia, pretzels, and lots of other delicious recipes. The last setting is bake, and it basically lets you use your bread maker as an oven. Check out the cookbook for recipes like banana nut quick bread and caramel monkey bread. You can experiment with non-yeast bread recipes of your own by lowering the temperature and lengthening the bake time. The crust control function only works on the basic, rapid, or sweet settings. Heavy grain breads tend to be naturally darker in color, so crust color doesn't apply to the grain setting, nor the dough or bake settings. When choosing a crust, be sure you've selected basic, rapid, or sweet bread. Then press the crust color pad to select regular or dark. Now, if you decide you don't want your bread right away, you can use the timer to delay your gratification. It lets you hold off completing your bread for up to 13 hours. To use the timer, you first have to set the clock. Press the clock button. When the hour starts flashing, hold the up or down arrow to set the current hour. Watch for AM or PM in the display. Once you've set the correct hour, press clock again to get the minutes flashing. Use the up or down arrows to set the minutes. When the flashing stops, the clock is set. Now you can set the timer in a similar way. Let's say you want to wake up to the delicious aroma of fresh baked bread at 7:30 a.m. Press and hold the timer button until timer appears in the display and the hour flashes. While the hour flashes, use the arrows to set the hour to 7. Watch for the a.m. in the display. Press timer while the hour is flashing and set your minutes to 30. When the 30 stops flashing, your timer is set. To activate the timer, press timer for a second. Your preset time will flash, and then the actual time will come up on the display. The green timer light will come on. No need to press the start button. If the green light doesn't come on, you get an error or 0 hour on the display. Check your manual for help. It means you either set the timer for a period shorter than the setting you've picked, or for a time longer than the maximum 13 hours. The timer will automatically count down. When it reaches the time for the bread setting you've selected, say 3:50 for our basic setting, the green timer light will go out and the red operation light will come on. Check how much time is left once the red light is on. Simply look at the countdown time in the display. Remember, you can't use the timer on the rapid bake setting, and never use it with recipes that call for perishable ingredients like fresh milk, cheese, or eggs, because they could spoil. Your bread maker may vibrate during the mixing and kneading, so be sure it's set up on a stable, flat surface. Also check that it doesn't touch the wall and is in an area that's well ventilated. Never cover your unit or put an object on top of it during operation, because some steam could escape during baking and the unit could overheat. If you want to peek in on the action, look through this viewing window. If it has condensation, it'll go away during baking and you'll get a clear view. But resist the temptation to open the lid during the baking cycle, because it may affect baking results. Since everything is automatic, chances are you'll earn bragging rights with your very first loaf. But nobody's perfect. Sometimes even when you think you've done everything right, you end up with a bread that's too tall, lopsided, or caved in. Or you may have a loaf that's darker than you expected. What's acceptable in height or color is a matter of personal taste. Breads like rye, whole wheat, or pumpernickel tend to be shorter, darker loaves by their nature, or maybe lopsided. But just in case you encounter a bread that just doesn't cut it, we've included a troubleshooting guide that will help you figure out if you put in too much salt, too little milk, or forgot to add the yeast. While we're waiting for our bread to bake, let's take a look at some problem loaves. If your bread looks cratered with the top or sides caved in like this one, you may have used too much liquid or forgotten the salt. Short, dense bread like this might mean you measured yeast or salt wrong. Remember, these two ingredients are always measured in teaspoons, not tablespoons. Which brings us to this over-risen, mushroom-shaped loaf. If this happens, you went too heavy on the yeast or sugar. Have you ever had a bread come out looking like a brick?
It means you forgot the yeast or used some old expired yeast. Remember to check the date. Whatever the problem, the tips, troubleshooting guide, or need help question and answer section of the book ought to help you solve the mystery. Oh, great. That's the signal that our bread is ready. I'm going to take my bread out right away, but if you were away from your kitchen and didn't hear the signal, don't worry. Your bread maker has a keep warm function that will keep it moist and warm in the unit for up to an hour. This blinking red light tells you that the keep warm function is operating. It will stop blinking after an hour, but the red light will stay on until you unplug or push the reset on your bread maker. Okay, we're ready to take out our bread. Always wear oven mitts or use pot holders to handle the pan after baking because the bread pan's very hot. Grasp the handle and pull the pan straight up and out. To remove the bread, turn the pan upside down and shake the bread out onto a cooling rack. Always check to see where the mixing paddle is, in the baking pan or in the bread, because you could damage the paddle if you cut into it. The paddle has a nonstick coating and may stay in the bread. If it does, let the bread cool, then remove the paddle with a plastic or rubber utensil. A sharp utensil could damage the nonstick coating. If the paddle stays in the pan, add hot water and let it soak so it's easy to remove. Oh, that smells delicious. And you'll probably want a piece right away, but you'll have to let your bread cool for about 15 to 20 minutes so you can slice it easily. You'll know if your bread hasn't cooled enough if it mashes down when you try to cut it manually. Once the bread is cooled, you can easily get even slices with an electric knife like this one that has an adjustable guide for thick or thin slices. And now for the best part of baking your own bread. And this is only the beginning, because there are more than 24 recipes in the cookbook, including everything from focaccia and raisin cinnamon bread to dinner rolls, pumpernickel bread, and cake-style quick breads. Try our recipes and then experiment with a few of your own. Use the manual for care and cleaning instructions, popular recipes, and troubleshooting. And if you have any other questions, call 1-800-231-9786 in the U.S. or in Canada, call 1-800-465-6070. L'arôme d'un pain de ménage frais. Avec votre robot boulanger All-in-One horizontal de Black & Decker, vous pouvez, à l'ère de l'électronique, savourer un bon pain à la mode d'antan. Uniquement parce que votre robot boulanger horizontal fait tout le travail automatiquement. Même si vous n'avez jamais fait de pain de votre vie, vous vous gonflerez d'orgueil pendant que le mélange, le pétrissage et la cuisson se feront tout seuls. C'est très simple et expliqué en détail dans ce pratique mode d'emploi et livre de recettes. Voici comment. Commencez par sortir le plat de cuisson du robot boulanger. Tirez-le vers le haut. Il vaut mieux mettre les ingrédients dans le plat pendant qu'il est à l'extérieur de l'appareil pour éviter d'en renverser dans la chambre de cuisson. Insérez la lame de pétrissage en alignant le côté plat sur le côté plat de l'arbre qui se trouve dans le plat de cuisson. Glissez la lame sur l'arbre comme ceci. On peut maintenant commencer. Je vais vous montrer comment faire une grosse miche de pain blanc. Il s'agit d'un pain de base populaire que vous trouverez dans la section des recettes de votre guide. Votre robot boulanger peut préparer des miches dont le poids varie entre 1,5 et 2 poids. Les farines varient d'un pays à l'autre. Puisque la farine est le principal ingrédient du pain, il faut vous assurer de choisir la bonne sorte. Au Canada, vous pouvez utiliser de la farine tout-usage ou de la farine de boulangerie.
Par contre, aux États-Unis, vous devez utiliser exclusivement de la farine de boulangerie. Vous trouverez un appel sur les types de farine au bas de chaque page de la section des recettes. Pour réussir votre pain dans le robot boulanger, il est essentiel d'utiliser les bons ingrédients, de les mesurer avec précision et de les incorporer dans le plat selon l'ordre indiqué. Pour faire mon gros pain blanc, j'utilise une tasse et un tiers d'eau tiède. La température est importante. Si l'eau est trop froide, elle n'activera pas la levure. Si elle est trop chaude, elle la détruira. Utilisez une tasse à mesurer transparente pour mesurer les quantités d'eau ou de lait frais. Vous pourrez ainsi en vérifier le niveau à la hauteur de vos yeux. Un manque ou un surplus de liquide peut affecter le pain. J'en ai un peu trop. Parfait. J'ajouterai maintenant les autres ingrédients à l'aide de cuillères à mesurer ordinaires. Je commence par les 2 cuillères à table de lait en poudre. Égalisez chaque ingrédient à l'aide du côté plat d'un couteau. Ensuite, 2 cuillères à table de beurre ou de margarine. Et finalement, 1 cuillère à table de sucre et 1 cuillère à thé et demi de sel que j'ai également égalisé. Mesurez ensuite 3 et 3/4 tasses de farine en utilisant les tasses pour ingrédients secs appropriés. Égalisez chaque fois la farine. Nous avons élaboré nos recettes en utilisant les marques nationales de farine. Au Canada, nous avons découvert que toutes les marques de farine tout usage convenaient à votre appareil. Par contre, aux États-Unis, vous devez utiliser de la farine de boulangerie. La farine tout usage américaine ne vous donnera pas de bons résultats. De plus, n'utilisez jamais de farine à lever rapide, à pâtisserie ou à gâteau, où que vous soyez. Ajoutez toujours la levure en dernier et assurez-vous qu'elle ne touche pas aux ingrédients liquides, particulièrement si vous utilisez la minuterie. Le liquide pourrait activer la levure trop tôt. Nous avons essayé nos recettes à l'aide de levure sèche active, mais vous obtiendrez également de bons résultats avec de la levure pour robot boulanger. Assurez-vous de conserver votre levure en respectant les instructions du fabricant une fois entamée. Vérifiez aussi toujours la date de péremption. Maintenant, laissons le robot boulanger All-in-One horizontal faire le reste du travail à notre place. Insérez le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et poussez-le vers le bas. Quand vous brancherez le robot boulanger, ces 2 flèches apparaîtront dans la fenêtre d'affichage, sélectionnant automatiquement le pain de base et la croûte régulière. Vous verrez aussi 12 AM qui clignotera sur l'horloge numérique. Vous n'avez pas besoin de régler l'horloge lorsque vous voulez cuire votre pain immédiatement. Choisissez le réglage voulu et appuyez sur la touche Start Reset. Sur le panneau de commande, vous verrez 4 réglages de pain, 1 commande pour la pâte, 1 commande pour la cuisson et 1 réglage pour la croûte, ordinaire ou foncée. Lorsque vous possédez le modèle Deluxe, vous avez également des réglages pour le pain croûté, le gâteau, la confiture et les desserts. Consultez votre mode d'emploi pour en savoir plus sur les instructions et recettes liées à ces réglages. La commande pour pain de base sert à faire les pains dont la farine blanche est le principal ingrédient. Appuyez sur « Menu » pour faire passer la flèche au choix suivant. La commande de cuisson rapide vous donnera un pain en moins de 2 heures. C'est l'idéal quand vous voulez que le pain soit prêt à temps pour des invités de dernière minute. Consultez le livre de recettes pour avoir la liste des pains pouvant être faits à ce réglage. La commande pour pain sucré convient aux pains contenant de grandes quantités de sucre ou d'autres ingrédients sensibles à la chaleur, comme le fromage ou le chocolat. Tous les réglages, sauf celui de cuisson rapide, présentent ce signal d'ajout d'ingrédients qui vous indique quand ajouter des ingrédients, comme les noix ou les raisins secs. Vous pouvez ajouter ces ingrédients supplémentaires immédiatement avant la levure, quand vous commencez la préparation, mais ils peuvent être hachés par la lame. Si vous attendez le signal d'ajout d'ingrédients pour ajouter les noix ou les raisins secs, ils ont plus de chances de demeurer intacts. Le réglage de pain de blé entier sert à la confection de pains contenant d'importantes quantités de farine de blé entier, de seigle, d'avoine ou de son. C'est le programme le plus long puisque les farines plus lourdes et plus denses prennent plus de temps à lever que la farine blanche. Le réglage de pâte vous permet de faire de la pâte que vous pouvez ensuite façonner et cuire dans un four traditionnel.
Vous pouvez faire de la pâte à pizza, des petits pains croûtés, de la focaccia, des pretzels et beaucoup d'autres recettes délicieuses. Il y a finalement le réglage de cuisson qui vous permet d'utiliser votre robot boulanger comme four. Consultez le guide pour avoir des recettes comme celle du pain à cuisson rapide aux bananes et aux noix ou de la brioche au caramel. Vous pouvez essayer vos propres recettes de pain sans levure en baissant la température et en prolongeant le temps de cuisson. La commande de cuisson de la croûte fonctionne seulement avec les commandes de pain de base, de cuisson rapide et de pain sucré. Les pains faits de grains lourds ont tendance à être plus sombres et la commande de cuisson de la croûte ne s'y applique pas, pas plus qu'au réglage de pâte et de cuisson. Lorsque vous choisissez la cuisson de la croûte, assurez-vous d'avoir sélectionné la commande de pain de base, de cuisson rapide ou de pain sucré. Puis appuyez sur la touche de couleur de la commande de cuisson de la croûte pour choisir entre ordinaire et foncé. Vous pouvez décider de ne pas faire votre pain tout de suite et d'utiliser la minuterie pour retarder votre récompense. Vous pouvez retarder la préparation de votre pain jusqu'à 13 heures. Pour utiliser la minuterie, vous devez d'abord régler l'horloge. Appuyez sur la touche « Clock ». Quand l'heure se met à clignoter, appuyez sur les flèches « Haut » et « Bas ». Pour régler l'heure de jour. Assurez-vous que la mention AM ou PM affichée est bien la bonne. Une fois l'heure réglée, appuyez sur la touche Clock une fois de plus, puis appuyez sur les flèches haut et bas pour régler les minutes. Quand le clignotement cesse, l'horloge est réglée. Vous pouvez maintenant régler la minuterie de la même façon. Disons que vous voulez vous réveiller à 7h30 avec le délicieux arôme du pain frais. Appuyez sur la touche « Timer » jusqu'à ce que le mot « Timer » apparaisse sur l'affichage et que l'heure clignote. Pendant que l'heure clignote, utilisez les flèches pour régler l'heure à 7h. Assurez-vous que l'indication « AM » est affichée. Appuyez sur la touche « Timer » et régulez les minutes à 30. Quand le 30 cesse de clignoter, la minuterie est réglée. Pour activer la minuterie, appuyez sur la touche Timer pendant une seconde. L'heure de réglage clignotera, puis l'heure du jour sera affichée. Le voyant vert Timer s'allumera. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche Start. Lorsque le voyant vert ne s'allume pas, un message d'erreur ou 0 heure apparaît sur l'affichage. Consultez le mode d'emploi pour obtenir de l'aide. Cela signifie soit que vous avez réglé la minuterie pour une période de temps inférieure à celle requise pour le réglage que vous avez choisi ou supérieure au délai maximal de 13 heures. La minuterie effectue automatiquement le compte à rebours. Au début de la planification pour le réglage que vous avez choisi, ici 3h50 pour la commande de pain de base, le voyant vert Timer s'éteint et le voyant rouge On s'allume. Pour vérifier le temps qu'il reste une fois le voyant rouge allumé, regardez simplement le compte à rebours au tableau d'affichage. N'oubliez pas que vous ne pouvez utiliser la minuterie avec la commande de cuisson rapide et qu'il ne faut jamais l'utiliser pour des recettes qui contiennent des ingrédients périssables, comme le lait frais, le fromage ou les œufs, qui pourraient se gâter. Votre robot boulanger peut vibrer pendant le mélange ou le pétrissage. Il faut donc vous assurer qu'elle repose sur une surface stable et plane. Vérifiez aussi qu'elle ne touche pas au mur et qu'elle soit dans un endroit bien aéré. Ne couvrez jamais l'appareil et ne posez rien dessus pendant son fonctionnement qui pourrait empêcher la vapeur de s'échapper, ce qui pourrait surchauffer l'appareil. Si vous voulez jeter un coup d'œil pendant le fonctionnement, regardez dans le hublot d'observation. Si de la condensation s'y est formée, elle partira pendant la cuisson et vous y verrez alors clairement. Résistez toutefois à la tentation d'ouvrir le couvercle pendant le cycle de cuisson, puisque cela pourrait en affecter les résultats. Puisque tout se fait automatiquement, vous obtiendrez probablement d'excellents résultats dès votre première miche. Malheureusement, personne n'est parfait. Parfois, même si vous croyez avoir tout fait comme il faut, vous obtenez un pain trop gonflé, inégal ou creux. Votre pain peut aussi être plus sombre que prévu. La hauteur et la couleur ne sont parfois qu'une question de goût. Des pains comme le pain de seigle ou de blé entier ou le pumpernickel ont tendance à être plus courts et plus sombres ou à être inégaux. Si jamais vous obtenez un pain qui ne répond pas à vos attentes, nous avons joint un guide de dépannage qui vous aidera à savoir si vous avez mis trop de sel, trop peu de lait ou encore si vous avez oublié d'ajouter la levure.
Pendant que le pain cuit, jetons un coup d'œil aux problèmes de pain que vous pouvez avoir. Lorsque votre pain présente des cratères et que le centre ou les côtés sont creux, comme dans ce cas-ci, vous avez peut-être utilisé trop de liquide ou oublié le sel. Un pain court et dense comme celui-ci peut être le résultat d'une mesure imprécise de la levure ou du sel. N'oubliez pas que ces deux ingrédients se mesurent en cuillère à thé et non en cuillère à table. Ce qui nous amène aux pains qui ont débordé et qui ont la forme d'un champignon. Lorsque cela se produit, c'est que vous avez mis trop de levure ou de sucre. Avez-vous déjà obtenu un pain qui ressemblait à une brique? Vous avez probablement oublié la levure ou encore elle était vieille et périmée. N'oubliez pas de vérifier la date. Quel que soit le problème, les conseils, le guide de dépannage ou la section besoin d'aide, questions et réponses du mode d'emploi vous aideront à résoudre le mystère. Ah, super! Ce signal indique que notre pain est prêt. Je vais sortir mon pain immédiatement. Mais lorsque vous n'êtes pas dans la cuisine et que vous ne pouvez entendre le signal, ne vous inquiétez pas. Votre robot boulanger est doté d'un cycle de maintien de chaleur qui gardera le pain chaud et moelleux jusqu'à une heure durant. Le voyant rouge clignotant indique que le cycle de maintien de la chaleur est en cours. Le voyant arrêtera de clignoter au bout d'une heure, mais il restera allumé jusqu'à ce que vous débranchiez l'appareil ou appuyez sur la touche « Reset » de votre robot boulanger. Bon, nous pouvons maintenant sortir notre pain. Utilisez toujours des mitaines ou des poignées pour tenir la poignée après la cuisson, puisque le plat est très chaud. Saisissez la poignée du plat de cuisson. Tirez le plat vers le haut pour le sortir. Pour retirer le pain, retournez le plat à l'envers et secouez le pain au-dessus d'une grille où vous le laisserez refroidir. Vérifiez toujours où se trouve la lame de pétrissage, dans le plat de cuisson ou dans le pain. Vous pourriez l'endommager en la coupant. La lame est couverte d'un revêtement antiadhésif et peut demeurer dans le pain. Le cas échéant, enlevez-la à l'aide d'un ustensile en plastique ou en caoutchouc. Un ustensile pointu pourrait en égratigner le revêtement. Lorsque la lame demeure dans le plat de cuisson, ajoutez de l'eau chaude et laissez tremper jusqu'à ce que la lame se retire facilement. Ça sent bon et vous voudrez sûrement y goûter immédiatement. Mais vous devez laisser refroidir votre pain entre 15 et 20 minutes pour pouvoir le trancher facilement. Lorsque votre pain s'écrase lorsque vous essayez de le couper à la main, c'est qu'il n'a pas assez refroidi. Vous pouvez couper un pain suffisamment refroidi en tranches égales à l'aide d'un couteau électrique, comme celui-ci, qui est muni d'un guide pour l'épaisseur des tranches. Et maintenant, la meilleure partie de la cuisson de votre propre pain. Et ce n'est qu'un début, puisqu'il y a plus de 12 recettes dans le livre, de la focaccia au pain en raisin à la cannelle, en passant par les petits pains, le pumpernickel et les pains à cuisson rapide de type gâteau. Essayez nos recettes, puis essayez les vôtres. Utilisez le mode d'emploi pour les instructions relatives à l'entretien et au nettoyage, les recettes les plus populaires et le dépannage. Si vous avez d'autres questions, composez aux États-Unis le 1-800-231-9786 et au Canada le 1-800-465-6070.